J'ai choisi un champagne distingué, avec de la personnalité et beaucoup de finesse, justement. Tout le contraire de vous, justement. Compte tenu de la haute opinion que vous avez de vous-même, je comprends que ce soit une révélation. Ah, vous inquiétez pas. Je me suis aperçue aujourd'hui que j'étais probablement dans le même cas que vous. Ceci près, tout de même, qu'aujourd'hui, quelque chose a changé ma vie. C'est pour vous dire que ça peut durer. Quand ce qui vous concerne, je crains que ce soit bien parti pour. Vous voyez, autour de cette table, certains vous trouvent dynamique, combatif, entreprenant, audacieux. Et d'autres vous jugent suffisant, prétentieux, ridicule. Eh bien, les uns les autres se trompent. Ce que vous êtes est tellement plus simple, voyez-vous. Avec les mots de tous les jours, comme dans le langage châtier, on vous désigne du même nom. Vous êtes un con. Une espèce rare, je le reconnais. Catégorie suprême, celle qui cumule le con malgré lui et le con satisfait de l'être. Bon, il y a bien longtemps que je n'avais pas rencontré un mélange aussi réussi. Toutes mes félicitations. Bon, être con n'est pas vraiment gênant en soi. Oula, non. L'ennui, c'est que les cons se sentent obligés de le faire savoir. C'est l'usage intensif de la connerie qui est pénible. Bon alors là, vous, vous êtes du genre sans modération. Toujours volontaire. Pas de répit. Vous devez même assurer les permanences. Vous savez, toutes les matières premières finiront par s'épuiser. Pour la connerie, aucun risque. Vous êtes là. Vous. Et beaucoup d'autres. Votre force, c'est le nombre. Vous savez, le vrai problème dans la chasse aux cons, c'est qu'il y a trop de gibier. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai renoncé. Et vous devriez en faire autant. Renoncer à vos fiançailles, je veux dire. Non pas parce que tout le monde fait semblant d'y croire, mais parce que vous êtes indigne de Valentine.